Voilà, là on y va. Donc là on est dehors, il y a un peu de neige. Donc on entre dans le garage. Salut le 4x4. Salut la moto au fond. Donc on rentre dans la chaufferie. Donc voilà le tableau. Le tableau, ça éclaire beaucoup. Donc bon, il est en trois rangées. Une, deux, trois rangées. Ici, on peut suivre manomètre d'eau chaude de la chaudière, manomètre d'eau chaude du cumulus, donc l'eau chaude qui continue, et là, il y a une vanne pour la reprise de l'eau chaude. Et l'eau froide, elle, elle est ici. L'eau froide, elle arrive pour alimenter la machine à laver. Mais plus bas, il y a une, pareil, il y a une vanne pour se prendre avec l'eau froide. Ensuite, ça, c'est aller-retour du chauffage. Donc là on va à côté, là où il y avait l'escalier. On peut constater qu'il y a encore l'ancien plancher. Donc ça je pense qu'ils l'ont gardé parce que c'est plus pratique pour marcher, pour faire le nouveau plancher. Ça je pense qu'ils pourront le casser. Le nouveau plancher. On voit en bout donc toujours l'aller-retour là qui est passé de l'autre côté. Et ici, je sais pas si tu vois bien, on voit un tuyau qui est pris sur le tuyau de chauffage du haut. Un autre tuyau qui est pris sur le chauffage du bas. Donc, mais là, j'arrive pas à voir s'il y a une vanne ou s'ils sont bouchonnés. À mon avis, c'est peut-être que bouchonnés, ouais, parce que s'il y avait une vanne, peut-être que je l'aurais vu. Voilà. Donc, voilà pour ce qui est du bas. Donc, je pense que peut-être dans un premier temps, casser tout ça pour ben, pouvoir ne pas en chier pour passer les fils électriques là-dessous. Donc, voilà. Donc, voilà. Allez!